Horace, veuillez vous lever. L'International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le juge président, bonjour à tous. Bonjour à la délégation représentant la République d'Afrique du Sud. Je souhaite la bienvenue aux représentants du bureau du procureur ainsi qu'au public. D'abord, je demanderai à Madame la greffière d'audience de bien vouloir citer l'affaire. La greffière d'audience, je vous remercie, Monsieur le Président. Il s'agit de la situation au Darfour, Soudan, en l'affaire le procureur contre Omar Hassan Ahmad El-Bashir. Référence de l'affaire ICC-0205-0109. Nous sommes en audience publique, le juge président. Je vous remercie. Je vais inviter maintenant les parties, en commençant par le bureau du procureur, à se présenter, ainsi que leurs équipes. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Julian Nichols. Je suis accompagné aujourd'hui par Rod Rastan, Manoj Sajdeva, Melissa Sims, Stan Talanti et notre case manager, Dissan Illich. Merci. Le juge président, je vous remercie. Je m'adresse maintenant aux représentants de la République d'Afrique du Sud. Je vous demanderai de bien vouloir présenter les membres de votre équipe. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Sandra De Witt. Je suis conseillère juridique principale de la République d'Afrique du Sud. Je suis accompagné aujourd'hui de Monsieur Diré David Tladi, les conseillers en matière d'affaires étrangères et de coopération internationale. Je suis accompagné également d'André Stemmet, qui est conseiller juridique ici à La Haye. Nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous notre ambassadeur, Son Excellence Kolowane, qui est ambassadeur d'Afrique du Sud ici à La Haye. Le président, merci beaucoup. Je vais à présent présenter les juges de cette chambre. La chambre est composée des juges suivants. D'abord, nos collaborateurs, M. Silvestro Stazzone, M. Simon Grabovec, juriste adjoint, Drazan Djukic, de Tudora Jurgin, et de Marie Dang Yang Van Sung, stagiaire. La chambre, quant à elle, est composée des juges Chang Ho Chong, qui se trouve à ma gauche, et à ma droite se trouve le juge Marc Perrin de Brichambeau, et moi-même, je suis le juge Kuno Tarfusser, juge président en l'espèce. Je pense que nous pouvons maintenant commencer cette audience. Le but de cette audience est de rendre notre décision en vertu de l'article 87.7 du statut, suite à l'audience que nous avons tenue dans ce même prétoire le 7 avril 2017. Je parle lentement pour permettre aux interprètes de faire leur traduction. Je m'apprête maintenant à résumer cette décision. Le résumé ne fait pas partie intégrante de la décision. En effet, seul fait foi l'exposé de la décision et du raisonnement de la Chambre. La décision écrite sera déposée et mise à la disposition des participants ainsi qu'aux parties et au public après la présente audience. D'ailleurs, elle a déjà été déposée. Je commencerai par un rappel bref de la procédure et des événements pertinents en l'espèce. Le 31 mars 2005, le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, a adopté la résolution 1593, par laquelle il a renvoyé la situation
du Darfour, Soudan, depuis le 1er juillet 2002, au procureur de la Cour. Le Conseil de sécurité a en outre décidé que, et je cite, « le gouvernement soudanais et toutes les parties au conflit du Darfour doivent coopérer pleinement avec la Cour et le procureur et leur apporter toute l'assistance nécessaire conformément à la présente résolution. » Suite à des enquêtes diligentées par le procureur dans le cadre de cette situation qui lui a été renvoyée par le Conseil de sécurité et à la requête du procureur, la Chambre préliminaire numéro 1 a délivré le 4 mars 2009 et à nouveau le 12 juillet 2010 deux mandats d'arrêt à l'encontre d'Omar al-Bashir pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide qui auraient été commis au Darfour entre mars 2003 jusqu'au moins le 14 juillet 2008. La Cour, en vertu du chapitre 9 du statut, a transmis aux États parties, au statut donc, des demandes d'arrestation d'Omar al-Bashir et sa remise à la Cour. L'Afrique du Sud a reçu notification des requêtes le 5 mars 2009 et le 16 août 2010, respectivement. À ce jour, les mandats d'arrêt à l'encontre d'Omar al-Bashir n'ont toujours pas été exécutés. Et en attendant sa comparution devant la Cour, la procédure à l'encontre d'Omar al-Bashir demeure suspendue. En mai 2015, la Cour a été informée par la presse qu'Omar al-Bashir avait l'intention de se rendre en Afrique du Sud afin de participer au sommet de l'Union africaine censé avoir lieu à Johannesburg entre le lundi 7 juin et le mardi 15 juin 2015. Le 28 mai 2015, le greffier de la Cour, agissant sur la base de ses rapports médiatiques, a notifié aux autorités compétentes en Afrique du Sud une demande de coopération demandant à l'Afrique du Sud, premièrement, de procéder à l'arrestation d'Omar al-Bashir et à sa remise à la Cour dans l'éventualité où il pénétrerait sur son territoire, en application des articles 86 et 89 du statut. Et, en cas de problème qui pourrait gêner ou empêcher l'exécution de la demande de coopération, de consulter la Cour sans tarder afin de régler la question. Le jeudi 11 juin 2015, l'ambassade d'Afrique du Sud aux Pays-Bas a contacté le greffe afin de demander la tenue d'une réunion urgente entre le greffier et la conseillère juridique principale du ministère de la République d'Afrique du Sud et une délégation de l'ambassade afin de mener les consultations prévues à l'article 97 du statut. Le lendemain matin, c'est-à-dire le vendredi 12 juin 2015, la Chambre préliminaire a été informée de la requête de l'Afrique du Sud en vue de la tenue d'une réunion de consultation. Il a alors été décidé de programmer une réunion à l'heure proposée par l'Afrique du Sud, réunion à laquelle, ou qui serait présidée par le juge président de la Chambre préliminaire et à laquelle assisteraient des représentants de l'Afrique du Sud, du greffe ainsi que du bureau du procureur. Cette réunion s'est déroulée ou a eu lieu à 17h, vendredi 12 juin 2015. Lors de cette réunion, le juge président a exposé, entre autres, que, premièrement,
Toutes les questions présentées par l'Afrique du Sud avaient déjà fait l'objet d'une décision par la Cour et, deuxièmement, les consultations n'avaient pas d'effet suspensif sur les obligations en cours de l'Afrique du Sud en vertu du statut en matière de coopération avec la Cour et pour ce qui est de procéder à l'arrestation et à la remise d'Omar al-Bashir. Le jour suivant, soit le samedi 13 juin 2015, Omar al-Bashir pénétrait sur le territoire de la République d'Afrique du Sud. Ce jour-là, la conseillère juridique principale de la République d'Afrique du Sud a rencontré séparément des représentants du greffe de la Cour ainsi que des représentants du bureau du procureur. Le jour même, en soirée, la Chambre a reçu une requête urgente du procureur tendant à ce que le juge président rende une ordonnance précisant que, premièrement, il n'existait pas d'ambiguïté s'agissant de l'obligation de l'Afrique du Sud de procéder immédiatement à l'arrestation d'Omar al-Bashir et à sa remise à la Cour. Deuxièmement, les questions relatives à la législation nationale n'annulent pas ni ne changent les obligations de l'Afrique du Sud qui lui sont faites par le statut. Troisièmement, l'obligation immédiate de l'Afrique du Sud consistait à procéder à l'arrestation et à la remise d'Omar al-Bashir et que ceci n'avait pas été fait l'objet d'un report de date ni ne bénéficiait d'un effet suspensif. Plus tard, en soirée, le même jour, c'est-à-dire le samedi 13 juin 2015, le juge président a rejeté la requête du procureur en faisant remarquer que la position de la Cour, à savoir que l'Afrique du Sud avait l'obligation de procéder à l'arrestation et à la remise d'Omar al-Bashir à la Cour, avait été notifié de façon suffisamment claire et qu'il n'était pas nécessaire d'apporter des éclaircissements supplémentaires ni de faire un rappel supplémentaire. Omar al-Bashir a quitté le territoire de la République d'Afrique du Sud le matin du lundi 15 juin 2015. En dépit de la demande formulée par la Cour en vue de l'arrestation d'Omar al-Bashir et de sa remise à la Cour, l'Afrique du Sud n'a pas procédé à l'arrestation ni à la remise de celui-ci alors qu'il se trouvait sur son territoire entre les 13 et 15 juin 2015. Le 4 septembre 2015, la Chambre a conclu que ces événements justifiaient l'ouverture d'une procédure en application de l'article 87.7 du statut et conformément à la norme 109 du règlement de la Cour. Ainsi, elle a demandé aux autorités compétentes d'Afrique du Sud de présenter leurs observations. Une chronologie complète de la procédure ultérieure est rappelée dans la décision écrite de la Chambre. À ce stade, je tiens simplement à rappeler que le 8 décembre 2016, la Chambre a décidé de convoquer une audience afin d'entendre les observations juridiques et factuelles ayant trait aux questions suivantes. Premièrement, la question de savoir si l'Afrique du Sud avait manqué aux obligations que lui impose le statut lorsqu'elle n'a pas procéder à l'arrestation et à la remise d'Omar al-Bashir à la Cour, alors qu'il se trouvait sur son territoire, et ce, malgré le fait qu'elle avait reçu une demande formulée par la Cour sur la base des articles 87 et 89 du statut, et ce, aux fins de l'arrestation et de la remise d'Omar al-Bashir. Et, dans l'affirmative, deuxièmement, si les circonstances sont telles qu'elle justifie que la Chambre prenne formellement acte de la non-exécution de la demande par l'Afrique du Sud et en réfère à l'Assemblée des États parties au statut de Rome et ou au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, comme prévu à l'article 87.7 du statut.
La Chambre a invité à cette audience, outre les représentants de l'Afrique du Sud, le procureur de la Cour ainsi que des représentants des Nations Unies. À terme, les Nations Unies ont répondu, indiquant qu'elles n'avaient pas l'intention d'envoyer un représentant pour assister à l'audience et qu'elles ne formuleraient pas d'observation écrite à l'intention de la Chambre. Comme cela avait été autorisé par la Chambre, des observations écrites ont été déposées avant la tenue de l'audience le 17 mars 2017, tant par le bureau du procureur que par des représentants de l'Afrique du Sud. Il s'agit respectivement des écritures numéro 289 et 290 qui figurent au dossier de l'espèce. En outre, la Chambre a reçu des observations écrites du Royaume de Belgique, écriture 277, ainsi qu'une écriture du Centre des litiges d'Afrique du Sud, écriture 288. Correction de l'interprète d'Afrique australe, écriture 288. Le 7 avril 2017, une audience publique s'est déroulée devant cette chambre et des représentants d'Afrique du Sud et du bureau du procureur ont présenté leurs observations sur les questions visées par l'audience. Le compte-rendu de cette audience porte la référence T2 et il a été versé au dossier de cette affaire. L'article 87.7 du statut prévoit ce qui suit. Si un État parti n'accède pas à une demande de coopération de la Cour, contrairement à ce que prévoit le présent statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisi. En exerçant sa compétence en vertu de cette disposition, la Chambre est appelée à répondre à deux questions distinctes. Premièrement, est-ce que l'Afrique du Sud a manqué à son obligation en ne procédant pas à l'arrestation et à la remise d'Omar al-Bashir, contrairement aux dispositions du statut? Et deuxièmement, est-ce qu'il convient de renvoyer l'affaire devant l'Assemblée des États parties et ou au le Conseil de sécurité? Je vais résumer la première de ces deux questions. S'agissant de la première question, la Chambre est appelée à analyser la question de savoir si l'Afrique du Sud avait le droit de refuser de coopérer avec la Cour dans sa demande tendant à procéder à l'arrestation et à la remise, et ce pour deux motifs indépendants, à savoir, premièrement, l'immunité dont jouit Omar al-Bashir, et ou, deuxièmement, le fait de l'interaction de l'Afrique du Sud avec la Cour en juin 2015. Je vais aborder ces deux questions l'une après l'autre. Et je vais commencer par le premier volet, à savoir l'immunité. L'Afrique du Sud a fait valoir deux fondements juridiques distincts, s'agissant de l'immunité dont jouissait Omar al-Bashir à l'époque de sa visite en Afrique du Sud, c'est-à-dire en juin 2015. À savoir le droit international coutumier du fait de sa qualité de chef d'État en exercice au Soudan, d'une part, et de l'accord de siège conclu entre l'Afrique du Sud et l'Union africaine aux fins du sommet de l'Union africaine, d'autre part. La Chambre n'a pas été convaincue par l'argument développé par l'Afrique du Sud plus tard et considère que l'article 7 petit 1 de l'accord de pays hôtes
dans son libellé ne concerne pas et donc ne peut pas lui avoir conféré une quelconque immunité, lui étant Omar al-Bashir. En revanche, la Chambre fait remarquer que le droit coutumier international empêche l'exercice d'une compétence pénale de la part d'États contre des chefs d'État d'autres États. Cette immunité s'étend à tout fait d'autorité susceptible d'empêcher un chef d'État de réaliser ses devoirs. La Chambre n'a pas la capacité d'identifier une règle du droit international coutumier qui pourrait exclure l'immunité des chefs d'État lorsque leur arrestation est demandée pour crimes internationaux par un autre État, même lorsque l'arrestation est demandée au nom d'un tribunal international, y compris, plus précisément, la présente cour. La Chambre a donc le devoir de déterminer s'il existe une quelconque dérogation au mode général des immunités au terme du droit international lorsque la Cour demande à obtenir une arrestation et la remise d'une personne qui jouit d'une immunité en qualité de chef d'État. Cette décision concerne avant tout l'interprétation de l'article 27.2 du statut ainsi que les relations entre cet article 27.2 et l'article 98.1. L'article 27.2 du statut de Rome prévoit ce qui suit. Les immunités ou des règles de procédure particulières susceptibles de concerner la qualité officielle d'une personne, que ce soit en vertu du droit national ou du droit international, ne peut empêcher la Cour d'exercer sa compétence sur la dite personne. L'Afrique du Sud a argué du fait que cette disposition n'avait aucun effet sur les droits et les obligations des États vis-à-vis de la Cour, mais concernait uniquement la compétence de la Cour, puisqu'il s'agissait de garantir que cette compétence n'était pas exclue dans des cas concernant l'immunité ou des règles de procédure particulières relatives à une personne dans sa qualité officielle. La Chambre ne souscrit pas à un tel point de vue et considère que l'article 27.2 du statut exclut également l'immunité des chefs d'État visés par une possibilité d'arrestation. Premièrement, la Chambre considère que puisque l'immunité protégeant contre une arrestation empêcherait la Cour d'exercer sa compétence, la clause générale permettant une telle exclusion dans l'article 27.2 du statut, étant donné le sens le plus simple qui peut lui être associé, englobe également la dite immunité. Si les auteurs, les rédacteurs du statut avaient eu l'intention d'obtenir une exclusion eu égard à une catégorie très précise d'immunité, elle l'aurait exprimée dans un langage simple. Le libellé que l'on trouve dans cette disposition, toutefois, évoque un caractère global qui n'est pas compatible avec l'idée que l'immunité protégeant contre l'arrestation des chefs d'État était exclue de cette disposition. Par ailleurs, le fait que les États partis au statut de Rome s'appuient sur les immunités ou sur des règles de procédure particulières pour rejeter la coopération avec la Cour créerait, en tout cas s'agissant des demandes visant l'exécution d'une arrestation ou la remise d'individus suite à l'émission d'un mandat d'arrêt, un obstacle insurmontable à la capacité de la Cour d'exercer sa compétence. Une telle situation serait manifestement incompatible avec l'objet et le but de l'article 27.2 du statut. En fait, la compétence de la Cour eu égard aux personnes qui jouissent d'une qualité officielle se verrait réduite à un simple concept théorique
si les États parties avaient la possibilité de refuser de coopérer avec la Cour en invoquant des immunités liées à leur qualité officielle. Ceci étant dit, la Chambre considère que l'effet de l'article 27.2 du statut, tel que décrit à l'instant, concerne sur le plan vertical aussi bien la relation entre un État parti et la Cour que sur le plan horizontal le rapport entre États qui lie les États partis à ce statut. D'une part, un État parti a le devoir d'arrêter et d'assurer la remise à la Cour de son propre chef d'État si la Cour lui a transmis une demande de coopération à cette fin. D'autre part, un État parti ne peut refuser d'arrêter et de remettre à la Cour un individu en arguant de motifs liés aux avantages individuels par rapport à des immunités qui reposeraient sur une qualité officielle, propriété d'un État parti tiers au statut. En fait, les États partis ne peuvent tout simplement pas invoquer leurs propres immunités reposant sur l'existence d'une capacité officielle pour refuser de coopérer avec la Cour et ne peuvent pas invoquer ces mêmes immunités lorsque la coopération au cours d'une arrestation et d'une remise de personnes est prévue par un autre État parti. Ceci constitue l'effet inter partes du statut qui est un traité international. Étant donné l'inexistence d'immunité protégeant contre une arrestation et une remise fondée sur une qualité officielle, eu égard à la procédure engagée devant la Cour, où une telle immunité appartiendrait dans une situation différente à un État parti au statut de Rome, l'article 98, petit 1 du statut est dépourvu d'objet s'agissant du cadre d'application de l'article 27, petit 2 du statut. Aucun renoncement n'est requis puisqu'il n'y a pas d'immunité à laquelle il puisse être renoncé. Il est manifeste que ceci concerne uniquement les États qui ont consenti à un tel régime et qui sont avant tout les États partis au statut ainsi que les États qui acceptent la compétence de la Cour au titre de l'article 12, petit 3 du statut. Toutefois, le statut prévoit une situation particulière dans laquelle les obligations définies dans le statut peuvent être imposées à un État, non pas en raison du fait que cet État a accepté le statut, mais en raison du fait que la Charte des Nations Unies s'applique. Et c'est pour évoquer ce régime sui generis que la Chambre continue son propos en ce moment. La compétence de la Cour, en l'espèce, a été déclenchée par la résolution 1593 du Conseil de sécurité, par laquelle le Conseil de sécurité, agissant au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, a renvoyé la situation au Darfour devant le procureur. Pour les motifs expliqués en détail dans la décision, la Chambre conclut, conformément à des décisions antérieures rendues par d'autres chambres de la présente Cour, que l'effet d'une résolution du Conseil de sécurité déclenchant la compétence de la Cour en application de l'article 13 petit b du statut représente le cadre légal du statut qui s'applique intégralement à la situation faisant l'objet d'un tel renvoi. Au fin de la présente synthèse du raisonnement de la Chambre, qu'il soit suffisant de faire remarquer que le sens ordinaire du terme « renvoi », le contexte dans lequel ce renvoi se déroule, à savoir l'intégralité du régime juridique de la Cour, ainsi que son objet et son but, confirme tous que l'effet d'un renvoi
consiste à donner à la Cour la capacité d'agir dans la situation faisant l'objet du renvoi et la capacité de le faire en application des règles selon lesquelles son action a été conçue. Par ailleurs, en décidant que le Soudan allait coopérer pleinement avec la Cour, le Conseil de sécurité a également imposé au Soudan, en agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, une obligation vis-à-vis de la Cour. Obligation à laquelle le Soudan n'aurait pas été soumise s'il n'avait pas ratifié le statut. La Cour est une institution dont les compétences ont été créées par ce statut. Une institution qui ne peut recevoir de coopération s'il n'y a pas un rapport entre le statut et cette demande de coopération. La Chambre considère à sa majorité que l'effet nécessaire de la résolution du Conseil de sécurité déclenchant la compétence de la Cour dans la situation du Darfour et imposant au Soudan l'obligation de coopérer pleinement avec la Cour consiste à dire que, dans le but limité que représente la situation au Darfour, le Soudan a des droits et des devoirs analogues à ceux qui incombent aux autres États parties au statut. Il est reconnu que cette extension du champ d'application du traité international à un État qui n'a pas accepté volontairement le statut est en cause. Néanmoins, la conclusion de la majorité de la Chambre sur ce point correspond à la Charte des Nations Unies qui autorise le Conseil de sécurité à imposer des obligations aux États. Il est permis de souligner que les droits et obligations du Soudan ne sont liés qu'à la situation au Darfour telle qu'évoquée par le Conseil de sécurité et strictement dans les limites de cette situation. En conséquence, suite à la résolution du Conseil de sécurité 1593, les interactions entre le Soudan et la Cour, eu égard à l'exercice de compétences de la Cour dans la situation au Darfour, sont régies par le statut. Une de ces conséquences, c'est que le libellé de l'article 27.2 du statut s'applique également au Soudan, rendant inapplicable une quelconque immunité au motif de l'existence d'une qualité officielle concernant le Soudan qui pourrait dans d'autres circonstances exister au titre du droit international à tous égards. Ceci signifie premièrement que le Soudan ne peut pas évoquer vis-à-vis de la Cour l'immunité d'Omar al-Bashir en tant que chef d'État. Le Soudan a l'obligation de procéder à son arrestation et à sa remise à la Cour. Deuxièmement, au vu de l'opinion de la majorité de la Chambre, les immunités d'Omar al-Bashir en tant que chef d'État ne s'appliquent pas vis-à-vis des États partis au statut lorsqu'il cherche à obtenir l'exécution d'une demande d'arrestation et de remise émanant de la Cour dans cet exercice de compétences dans la situation au Darfour. En conséquence, l'article 98.1 du statut ne s'applique pas à l'arrestation d'Omar al-Bashir et à sa remise à la Cour. Aucune immunité ne doit être levée et les États parties peuvent exécuter la demande de la Cour en vue de l'arrestation et de la remise d'Omar al-Bashir sans porter atteinte aux droits du Soudan en vertu du droit international. En conséquence de quoi, l'Afrique du Sud avait le devoir de procéder à l'arrestation d'Omar al-Bashir et à sa remise à la Cour alors que celui-ci se trouvait sur le territoire sud-africain en juin 2015. En tout état de cause, la Chambre considère qu'il est nécessaire de mettre l'accent sur le fait que l'article 98 du statut ne prévoit aucun droit
pour les États parties de refuser d'honorer leurs engagements vis-à-vis de demandes de la Cour en vue de coopération. En effet, l'article 98 du statut concerne la Cour et n'est pas une source de droit matériel ou de devoir supplémentaire pour les États parties. Alors qu'effectivement, cet article 98 indique qu'une tension peut exister entre le devoir d'un État partie de coopérer avec la Cour et l'obligation de cet État de respecter les immunités au titre du droit international, il est laissé pouvoir à la Cour et non à l'État partie d'assumer la responsabilité de traiter de cette question. La Chambre considère que dans l'affaire dont il est question ici, l'Afrique du Sud n'avait pas le droit de s'appuyer sur sa propre interprétation de l'article 98 du statut pour décider unilatéralement de ne pas honorer ses engagements vis-à-vis de la Cour eu égard à l'arrestation d'Omar al-Bashir et à sa remise à la Cour. Indépendamment de toute autre considération déjà évoquée concernant l'impossibilité d'application au terme du statut des immunités sur la base d'une qualité officielle, la Chambre fait remarquer qu'un individu dont l'arrestation et la remise sont demandées par la Cour jouit d'immunité diplomatique ou d'immunité d'État et n'est pas une exception par rapport au devoir d'un État parti de coopérer avec la dite Cour. Même si l'on devait partir de l'hypothèse dans le but de favoriser le débat, qu'il existerait un conflit entre diverses obligations, cette situation n'aurait pas permis de relever l'Afrique du Sud de ses obligations vis-à-vis de la Cour, ne lui aurait pas donné un pouvoir discrétionnaire de se dispenser de ses devoirs. L'article 98 du statut ne peut en aucun cas avoir un tel effet. En conséquence, même dans ce scénario où l'article 98.1 s'appliquerait à la situation dont nous parlons, l'Afrique du Sud, ayant choisi de ne pas exécuter la demande de la Cour en vue de coopération, serait toujours considéré comme ayant manqué à ses obligations eu égard à l'arrestation et à la remise d'Omar al-Bashir à la Cour. Je vais maintenant évoquer la question des consultations. C'est la deuxième branche de l'analyse de la Chambre quant à la question de savoir si l'Afrique du Sud a failli à son obligation de faire droit à la requête en vue d'arrestation et de remise d'Omar al-Bashir en contrevenant aux dispositions du statut. Lors de l'audience du 7 avril 2017, l'Afrique du Sud a argué du fait que des erreurs fondamentales avaient été commises dans la conduite des consultations prévues par les dispositions de l'article 97 du statut, qui étaient, il convient de le rappeler, tenues dans le but de discuter de l'application de l'article 98.1 du statut. L'article 97 du statut exige des États parties qu'ils consultent la Cour sans délai dans le but de résoudre tout problème susceptible d'empêcher ou de freiner l'exécution d'une requête en vue de coopération émanant de la Cour. Cette disposition renvoie à des exemples de situations dans lesquelles des consultations pouvaient être la bonne solution sans faire la moindre référence explicite aux situations qui relève de l'article 98.1. Ceci apparaît cohérent avec le fait que l'article 98.1 du statut prévoit déjà le règlement d'un conflit éventuel entre le devoir d'honorer ses obligations en présence d'une demande d'arrestation et de remise et le devoir de respecter certaines immunités au titre du droit international. Ceci étant dit, la Chambre ne considère pas que les articles 97 et 98 du statut doivent être interprétés comme strictement signifiant que l'instrument des consultations ne pouvait pas également être utilisé pour le règlement de problèmes liés à l'article 98 du statut.
En effet, la communication entre l'État requis et la Cour, eu égard à l'article 98 et notamment à la disposition concernant l'information par l'État prévue dans la règle 195 des règles, peut en pratique se dérouler dans le cadre de consultations similaires. En fait, l'Afrique du Sud s'est vu accorder la possibilité d'évoquer cette question devant la Cour, d'évoquer les problèmes qu'elle avait déterminés s'agissant de l'application de l'article 98 du statut en rapport avec l'exécution de la demande de la Cour d'une arrestation et d'une remise d'Omar al-Bashir. Toutefois, encore une fois, c'est une question de fait. Il est devenu clair au cours des consultations que le règlement de la question soulevée par l'Afrique du Sud au titre de l'article 98.1 du statut concernait la question binaire de savoir si, oui ou non, l'Afrique du Sud avait vis-à-vis de la Cour le devoir de procéder à l'arrestation d'Omar al-Bashir et de le remettre à la Cour. Il n'était plus possible de laisser le moindre espace pour des mesures de règlement pouvant découler de consultations entre la Cour et l'État requis. En tout état de cause, la Chambre souligne le fait que ces consultations, qu'elles aient été demandées ou qu'elles soient en cours entre un État et la Cour, ne suspendent pas en tant que telles et n'affectent d'aucune autre manière la validité de la demande de coopération présentée par la Cour. Les choses vont encore plus loin, y compris, c'est-à-dire que la disponibilité d'un canal de dialogue entre la Cour et un État parti, qu'il s'agisse d'un dialogue ou d'une autre forme de communication, ne peut pas être compris comme résultant d'une suspension unilatérale d'exécution d'une requête en vue de coopération. Ceci est particulièrement important dans les cas tels que celui dont il est question aujourd'hui, où l'exécution d'une requête de coopération aurait pu réussir dans un délai relativement bref. En fait, il n'est pas dans la nature des obligations légales de pouvoir être simplement mise de côté au motif qu'il existe un désaccord avec une décision prise par une institution judiciaire compétente ou qu'une certaine absence d'équité ait été perçue dans le processus ou suite à ce processus. Dans de telles circonstances, les remèdes possibles peuvent être de nature judiciaire uniquement et la question doit finalement être réglée par une institution judiciaire. La Chambre conclut qu'en n'arrêtant pas Omar al-Bashir alors que celui-ci se trouvait sur son territoire entre les 13 et 15 juin 2015, l'Afrique du Sud a manqué à son obligation vis-à-vis de la Cour en n'honorant pas la demande d'arrestation et de remise d'Omar al-Bashir et en contredisant les dispositions du statut, empêchant de la sorte la Cour d'exercer ses fonctions et ses pouvoirs, fonctions et pouvoirs qui lui ont été conférés par le statut en rapport avec des procédures pénales instituées contre Omar al-Bashir. La Chambre aboutit à cette conclusion à l'unanimité. Toutefois, une partie du raisonnement que je viens de résumer devant vous est adoptée à la majorité des juges, Monsieur le juge Perrin de Brichambeau ayant joint une opinion individuelle qu'il vous résumera dans quelques instants. Et j'aborde à présent la deuxième question qui se pose suite à la première que je viens de traiter, à savoir le fait de déterminer s'il est approprié de renvoyer cette question devant l'Assemblée des États partis et ou devant le Conseil de sécurité. Il s'agit d'une question distincte et un renvoi automatique n'est pas requis en tant que question de droit dans toutes les affaires d'absence de réalisation d'obligations. Au lieu de cela, la Chambre
jouit du pouvoir discrétionnaire de prendre en compte l'ensemble des facteurs éventuellement pertinents dans des circonstances de ce genre. Dans les circonstances actuelles, la Chambre considère tout d'abord que la façon dont l'Afrique du Sud a abordé son obligation de coopération avec la Cour est un élément très significatif dans la détermination concernant le fait de savoir si un renvoi au titre de l'article 87.7 du statut était justifié. En particulier, la Chambre fait remarquer que l'Afrique du Sud est le premier État parti qui invoque précisément l'article 97 du statut suite à la réception d'une demande d'arrestation et de remise. Et ceci après que l'article 97 ait déclenché le processus. Le statut est donc invoqué dans une tentative de règlement de la question lorsqu'il y a un conflit perçu entre les obligations du droit international et les obligations devant la Cour. La conduite ultérieure de l'Afrique du Sud est également pertinente à cet égard. L'Afrique du Sud a présenté des écritures importantes et de nombreux arguments juridiques sur la question dont il est fait état ici, en indiquant son intention d'obtenir un remède juridique possible en appel par rapport à la situation, ayant conclu au fait que la Chambre avait violé, étant donné, correction de l'interprète, la conclusion de la Chambre selon lesquelles l'Afrique du Sud aurait violé ses obligations au terme du statut. Deuxième point, la Chambre considère que dans les circonstances particulières de l'espèce, un renvoi de la question de non-application par l'Afrique du Sud devant l'Assemblée des États parties ou le Conseil de sécurité n'aurait aucun effet s'agissant de la nécessité d'obtenir la coopération demandée. La Chambre fait remarquer que les tribunaux nationaux d'Afrique du Sud ont conclu que le gouvernement d'Afrique du Sud avait agi en violation de ses obligations au terme de son cadre légal national en refusant d'arrêter Omar al-Bashir et de le remettre à la Cour. En particulier, la Cour suprême d'appel de l'Afrique du Sud a conclu que le comportement du gouvernement de l'Afrique du Sud avait été contraire aux obligations de l'Afrique du Sud du point de vue du statut de Rome et du chapitre 10 de la mise en œuvre du statut de Rome de la Cour pénale internationale, du traité de mise en œuvre du statut de Rome de la Cour pénale internationale, correction de l'interprète, de 2002, et que ce comportement avait été illégal. Fin de citation. Cette décision est devenue définitive alors que le gouvernement d'Afrique du Sud avait retiré son interjection en appel présentée précédemment. Il apparaît par conséquent que le gouvernement de l'Afrique du Sud a accepté son obligation de coopération avec la Cour au terme de son cadre légal national. Par ailleurs, la présente décision dispose de façon globale et ultime de la question s'agissant des obligations qui pèsent sur l'Afrique du Sud au terme du statut. Par conséquent, s'il existait le moindre doute à cet égard, il a été établi maintenant sans la moindre équivoque, aussi bien sur le plan national que par la présente Cour, que l'Afrique du Sud doit procéder à l'arrestation d'Omar al-Bashir et le remettre à la Cour. Toute ambiguïté possible en droit concernant les obligations de l'Afrique du Sud a été levée. Dans de présentes circonstances, un renvoi de la question du non-respect de ses obligations par l'Afrique du Sud à la suite de la demande d'arrestation et de remise présentée par la Cour concernant Omar al-Bashir n'aurait aucune conséquence en tant que mécanisme d'obtention de coopération pour la Cour. Par ailleurs, la Chambre fait remarquer que les États parties ont été renvoyés aussi bien à l'Assemblée des États parties qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies à 6 reprises, eu égard au manquement à l'obligation d'arrêter et de remettre Omar al-Bashir. Toutefois, les 24 dernières réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies, suivant l'adoption de la résolution 1593, y compris des réunions tenues à l'occasion
des rapports biannuels présentés par le procureur devant le Conseil de sécurité des Nations Unies n'ont pas eu pour résultat des mesures contre les États parties ayant manqué à leur obligation d'honorer leurs engagements de coopération avec la Cour, en dépit de propositions émanant de différents États et portant sur le développement d'un mécanisme de suivi concernant le renvoi des États devant le Conseil de sécurité par la Cour. Comme déjà dit par d'autres chambres de la présente institution, l'absence de telles mesures de suivi est regrettable, car le résultat, c'est l'incapacité de la Cour à exercer ses fonctions et ses pouvoirs au titre du statut, et le fait qu'un renvoi par le Conseil de sécurité devient inutile. De même, il est regrettable que même si la Chambre a organisé la procédure actuelle comme devant être transparente, honnête et la plus inclusive possible, et reconnaissant l'importance générale des questions qui font l'objet du débat, il a été permis à tous les États parties au statut de présenter leurs arguments sur la question, et aucun État autre que le Royaume de Belgique n'a choisi de fournir son assistance à la Cour dans le règlement de ce problème. Telle est la conclusion de la Chambre. Et en tout état de cause, considérant les circonstances particulières de l'espèce et sans perdre de vue le pouvoir discrétionnaire prévu par l'article 87.7 du statut, la Chambre va maintenant donner la parole au juge Archambault. La Chambre sur laquelle l'Afrique du Sud a manqué à l'obligation d'honorer la demande de coopération qui lui a été présentée par la Cour et en refusant d'arrêter Omer al-Bashir et de le remettre à la Cour. Je souscris ainsi aussi à la décision selon laquelle il n'est toutefois pas justifié d'en référer à l'Assemblée des États parties ou au Conseil de sécurité de l'ONU. Je commencerai par présenter les raisons pour lesquelles je fais mienne les conclusions de la décision de la majorité selon laquelle Omar el-Bashir ne jouit pas de l'immunité en matière d'arrestation et de remise. Cependant, étant donné que je ne partage pas l'analyse faite par la majorité s'agissant des fondements juridiques de cette absence d'immunité, il m'a paru nécessaire de présenter une opinion individuelle minoritaire. Je dois donc évoquer maintenant les questions de droit sous-jacentes à l'affaire, en particulier celles qui concernent, aux fins des poursuites devant cette Cour, l'immunité en droit international d'Omar el-Bashir en matière d'arrestation et de remise. Ma position repose sur une interprétation de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide et des obligations qu'elle crée pour les États parties. Le Soudan et l'Afrique du Sud sont tous deux parties à la Convention sur le génocide depuis le 11 janvier 2004 et le 10 mars 1999, respectivement. Le 12 juillet 2010, la Chambre préliminaire numéro 1 a délivré un mandat d'arrêt contre Omar el-Bashir au motif qu'il serait individuellement responsable en application de l'article 25.3a du statut du crime de génocide au sens des alinéas A, B et C de l'article 6 du statut. La Chambre préliminaire 1 a jugé qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que des actes de génocide avaient été commis entre le mois d'avril 2003 et le 14 juillet 2008 dans l'ensemble de la région du Darfour. Dans ce contexte, la question de l'immunité d'Omar el-Bashir doit être examinée à la lumière des obligations qui incombent au Soudan et à l'Afrique du Sud en tant que partie contractante à la Convention sur le génocide. Il importe de savoir quelles sont ces obligations et quelles sont leurs conséquences vis-à-vis d'obligations contraires que pourrait avoir l'Afrique du Sud à cet égard envers le Soudan et envers la Cour, comme cela est prévu par l'article 98 du statut,
non seulement en vertu du droit coutumier, mais aussi en vertu du droit conventionnel. Il me semble que l'effet combiné d'une interprétation littérale et d'une interprétation contextuelle de l'article 4 de la Convention sur le génocide, conjointement avec une analyse de l'objet et du but du traité, amènent à la conclusion que lorsqu'ils doivent répondre d'allégations de génocide, les responsables d'un État ne sauraient jouir d'immunité personnelle. Au terme de l'article 6 de la Convention, ces immunités sont levées aux fins de poursuite, notamment devant, je cite, une Cour criminelle internationale. La Cour pénale internationale constitue de façon claire une telle Cour criminelle internationale. Étant donné que les immunités personnelles sont incompatibles avec les obligations des États parties à la Convention sur le génocide, le Soudan doit être considéré comme ayant renoncé aux immunités de ses représentants de l'État dès lors qu'il a adhéré à la Convention. Ainsi, je pense que la pleine participation du Soudan et de l'Afrique du Sud à la Convention sur le génocide a pour effet de lever l'immunité d'Omar al-Bashir, faisant obligation aux parties contractantes à la dite Convention de l'arrêter lorsqu'il se trouve sur leur territoire. L'Afrique du Sud était tenue d'examiner si et comment la Convention pouvait s'appliquer à Omar al-Bashir lorsque celui-ci se trouvait sur son territoire. Étant donné qu'il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour le crime génocide, et l'Afrique du Sud était tenue de mettre en œuvre son obligation. L'Afrique du Sud a elle-même invoqué l'article 98.1 du statut. Ce faisant, elle aurait dû chercher à savoir si la demande d'arrestation et de remise que lui adressait la Cour l'obligeait à agir conformément aux obligations qui lui incombent. Cependant, elle ne l'a pas fait. Les conditions visées à l'article 98.1 sont dès lors remplies en raison de l'antériorité de l'adhésion du Soudan à la Convention sur le génocide. Il en découle que l'Afrique n'aurait pas agi de façon incompatible avec les dispositions de l'article 98.1 que je cite, obligation qui lui incombe en droit international en matière d'immunité d'une personne d'un État tiers. Elle n'aurait donc pas agi de façon incompatible avec ses obligations si elle avait arrêté Omar al-Bashir et si elle l'avait remis à la Cour. L'immunité de l'intéressé était levée de fait de l'accession du Soudan à la Convention sur le génocide. Au regard des rapports horizontaux entre le Soudan et l'Afrique du Sud, rien ne gênait l'exécution de la demande soumise par la Cour aux fins de l'arrestation et de la remise d'Omar al-Bashir. En ne procédant pas à l'arrestation d'Omar al-Bashir, l'Afrique du Sud a manqué à l'obligation que lui impose le statut. Il me paraît cependant nécessaire de compléter cette constatation par une lecture attentive des diverses positions juridiques en présence qui ont été évoquées par les parties elles-mêmes devant la Chambre. Car le fondement juridique de la conclusion de la Chambre me paraît revêtir une importance capitale. Je me sépare sur certains points des positions prises par la majorité de la Chambre. J'ai en effet été amené à analyser plus en détail de mon opinion individuelle minoritaire les importantes questions suivantes au nombre de trois. Première question. Le renvoi par le Conseil de sécurité a-t-il mis le Soudan dans une situation identique à celle d'un État parti, aboutissant ainsi à la levée de l'immunité d'Omar al-Bashir par l'application de l'article 27 du statut de Rome. S'agissant de cette première question, l'examen des thèses présentées par le procureur et de celles présentées par l'Afrique du Sud révèle qu'elles sont chacune étayées par des éléments du statut et par la doctrine,
et qu'elle présente dans les deux cas des éléments de validité. Au vu des divergences qui existent entre ces thèses, les arguments en présence ne permettent pas de tirer de conclusions certaines sur la conclusion de savoir si le renvoi à la Cour de la situation au Darfour par le Conseil de sécurité a mis le Soudan dans une situation équivalente à celle d'un État parti. C'est pourquoi, en l'état actuel du droit, on ne saurait déterminer exclusivement, sur la base des effets juridiques de la résolution 1593 du Conseil de sécurité de l'ONU, si, en général, soit l'article 27.2 du statut, soit l'article 98.1 du statut s'applique entre la Cour, l'Afrique du Sud et le Soudan, en ce qui concerne la demande d'arrestation et de remise d'Omar al-Bashir à la Cour. Deuxième question. La résolution 1593 du Conseil de sécurité a-t-elle levé implicitement l'immunité d'Omar al-Bashir ? S'agissant de la deuxième question, l'interprétation détaillée du contenu de la résolution 1593 du Conseil de sécurité, sur la base des éléments de droit énoncés par la Cour internationale de justice, aboutit à des résultats soit contradictoires, soit incertains. Le texte de la résolution elle-même, les interventions des États devant le Conseil de sécurité, ainsi que leur passivité qui vient d'être rappelée à l'égard d'Omar el-Bashir, ne permettent pas de parvenir à des conclusions certaines. Par conséquent, comme pour la question concernant le statut du Soudan à la suite de l'adoption de la résolution 1593 par le Conseil de sécurité, l'état actuel du droit ne permet pas de parvenir à une réponse certaine sur la question de savoir si cette résolution lèverait implicitement les immunités d'Omar al-Bashir. Troisième question. L'implication d'une Cour internationale affecte-t-elle l'application de la règle de droit international coutumier qui régit l'immunité personnelle des chefs d'État dans le cadre des rapports entre États ? Pour ce qui est de la troisième question, les positions adoptées par les États, qu'ils soient ou non partis au statut de Rome, au cours des débats au Conseil de sécurité, dans les organisations régionales, à l'Assemblée des États partis, dans leurs réponses aux demandes de coopération qui leur ont été présentées par le procureur de la Cour pénale internationale à 25 reprises devant le Conseil de sécurité, ainsi que dans leur pratique à l'égard d'Omar el-Bashir, font apparaître une grande réticence de leur part à s'engager de façon claire sur sa situation et à agir de façon concrète. La Chambre, comme vient de le dire le juge président, avait demandé aux États et aux Nations Unies de lui fournir des observations écrites sur la question de la non-coopération de l'Afrique du Sud. Elle n'a reçu qu'une seule réponse qui mérite d'être saluée. Ce silence presque complet donne la mesure du caractère très sensible de l'immunité des chefs d'État en exercice et des questions qui ont trait à l'immunité des gouvernants ainsi que de la prudence qui domine à cet égard. Il est donc bien difficile de dire si la règle de droit international coutumier concernant les immunités des chefs d'État en exercice, fonctionne ou non de la même manière si l'un des États impliqués agit conformément à ses obligations envers la Cour. Au vu des différentes interprétations possibles et légitimes des textes, de la coutume, de la doctrine, j'estime donc que l'état actuel du droit international ne permet pas de tirer des conclusions certaines sur l'une quelconque des trois questions que je viens d'évoquer. Je m'en tiens, contrairement à la majorité de la Chambre, à la conclusion selon laquelle la pleine participation du Soudan et de l'Afrique du Sud à la Convention sur le génocide a pour effet de lever l'immunité d'Omar al-Bashir, faisant obligation aux parties contractantes à la dite convention, qui sont également états parties au statut, de l'arrêter lorsqu'ils se trouvent sur leur territoire et de le remettre à la Cour.
L'Afrique du Sud était tenue de mettre en œuvre son obligation vis-à-vis de la Convention s'agissant d'Omar el-Bashir lorsque celui-ci se trouvait sur son territoire, étant donné qu'il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour le crime de génocide. Elle ne l'a pas fait. En ne procédant pas à l'arrestation d'Omar el-Bashir, l'Afrique du Sud a manqué à l'obligation que lui impose le statut. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you very much. Le juge président, merci beaucoup. Ainsi s'achève donc l'audience d'aujourd'hui, dont le but était, comme je l'indiquais en début d'audience, de rendre notre décision en application de l'article 87.7 du statut. Mais avant de lever l'audience, je souhaiterais faire part de quelques consignes aux représentants d'Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud, qui ne connaissent peut-être pas très bien la procédure devant cette cour. Et comme cela a été demandé par la représentante de l'Afrique du Sud, nous aimerions vous donner des indications sur la manière d'interjeter appel de ces décisions, si tel est votre souhait. J'attirerai l'attention donc de la représentante ou des représentants de l'Afrique du Sud sur les dispositions de l'article 82.1d du statut ainsi que la règle 154 du règlement de procédure et de preuve. En tout état de cause, l'on ne peut interjeter appel de la décision qu'avec l'autorisation de la dite chambre. Par conséquent, si l'Afrique du Sud souhaite, après avoir pris connaissance de l'intégralité de la décision, d'interjeter appel de la dite décision, elle devra présenter une requête pour obtenir une autorisation d'interjeter appel, et ce, dans un intervalle de 5 jours après la délivrance de cette décision. Et dans cette requête, elle doit recenser des questions précises, une ou deux, sinon plus, découlant de cette décision et qui doivent satisfaire aux exigences de la disposition des dispositions de l'article 82.1d du statut. J'espère que cela est clair. Donc l'audience est levée. Il ne me reste plus qu'à remercier les représentants de la République d'Afrique du Sud, les représentants du bureau du procureur, nos collaborateurs, mes collègues, le public. L'audience est levée. All right. Veuillez vous lever.